Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Mes chers compatriotes, si je vous propose d'entamer sans tarder la nécessaire et urgente sortie de l'Union européenne et de l'euro, ce n'est pas par fantaisie ni ignorance. C'est au contraire parce que je connais bien l'état réel de la situation et que je veux nous protéger tous du désastre dans lequel s'enfonce la France. Croyez-moi, j'ai de l'expérience. Et si je vous propose le Frexit, c'est parce que je sais que c'est le seul et unique moyen de rétablir l'égalité et la justice sociale entre tous les Français. En matière sociale, je propose ainsi d'augmenter le SMIC à 1300 euros net par mois, tout en réduisant à due proportion les cotisations sociales qui pèsent sur les commerçants, les artisans, les TPE et les PME. Je propose d'assurer un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois, car il est honteux que la France tolère que certains de ses seniors vivent de façon misérable. Je propose de supprimer le RSI qui asphyxie les travailleurs indépendants. Je propose aussi de renationaliser les grands services publics, EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, TF1, les sociétés d'autoroutes, les sociétés d'adduction d'eau et toute banque bénéficiant de fonds publics. Je propose de constitutionnaliser la sécurité sociale et la retraite par répartition. Je veux garantir la santé pour tous, rétablir l'école républicaine et assurer enfin la baisse réelle de l'insécurité et de la délinquance. Enfin, je propose de mettre en chantier 80 000 logements sociaux supplémentaires par an avant la fin du prochain quinquennat. En matière d'environnement, mon programme prévoit de lutter contre le saccage de la planète en arrêtant la mondialisation effrénée qui permet aux grands groupes de fabriquer des biens à 15 000 km alors qu'ils pourraient et qu'ils devraient les fabriquer à côté de chez nous. Je propose de donner la priorité à la qualité gustative des aliments, au respect de l'environnement, des circuits courts et des cycles naturels, en favorisant l'agriculture biologique et la permaculture et en interdisant les OGM, y compris dans la nourriture animale. Enfin, pour rétablir la démocratie dans notre pays, je vous propose d'instaurer le référendum d'initiative populaire et la reconnaissance pleine et entière du vote blanc avec pouvoir de révocation des candidats présentés par les partis. Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je propose d'imposer aux élus la présentation d'un casier judiciaire vierge, la démission automatique en cas de condamnation pénale définitive, l'interdiction de faire plus de 2 mandats consécutifs et bien sûr d'embaucher des membres de sa famille. Mon programme prévoit aussi de supprimer 4209 postes d'élus et de réaliser ainsi 4,4 milliards d'euros d'économies par an. Enfin, j'arrêterai immédiatement la politique de disparition des communes rurales et des départements qui débouche sur une explosion des coûts et des inégalités entre les territoires. Cette résurrection de la France que je vous propose est à portée de votre bulletin de vote. N'ayez pas peur de faire ce choix historique le 23 avril prochain. Mes chers